I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop. Hello tout le monde, c'est Gotex. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Comme vous pouvez le voir sous la vidéo là maintenant, je viens d'avoir, le Papa Noël m'a apporté la PS4. Et oui, la PlayStation 4. J'espère que vous avez eu des bons cadeaux. Moi c'était vraiment exceptionnel. Je vous ai pas attendu, excusez-moi, franchement je suis vraiment désolée. Je vous ai pas attendu pour toute la vidéo. En fait, pour le déballage, je vous ai pas du tout attendu. Désolé pour le petit bruit si vous entendez. J'ai préféré plutôt commencer à jouer parce que j'arrivais pas à résister. Donc voilà, et là je l'ai remis un peu comme ça vite fait. Et je vais vous la faire absolument. Je dirais que normalement on tombe sur la console avec les deux bouts de carton, là il y en a qu'un, normalement emballé. On tombe direct sur ça avec la manette et oui la dual choc 4. Manette assez bien, désolé, excusez-moi si je ne sais pas très bien dire, j'ai même Xbox, j'ai changé maintenant pour la PS4. Et ce n'est pas moi qui filme comme vous pouvez voir, c'est mon petit frère. Jimmy, vas-y Jimmy, tu peux dire. Hello tout le monde. Voilà. Donc voilà. Alors la manette. La manette, il y a beaucoup de choses à dire sur la manette. Franchement, cette manette, elle est magnifique. Exceptionnelle, cette manette. Franchement, excusez-moi si vous entendez fort respirer mon frère. Parce que c'est un peu n'importe quoi. Bon, comme vous pouvez voir, là, elle est un pavé tactile. C'est vraiment la grande différence. Il y a plusieurs trucs qui ont été ajoutés, mais beaucoup de choses. La lumière, par exemple, vous pourrez voir. Je vais vous expliquer tout de suite. Tout le monde s'en fout. Mais nous sommes pas passés par. Nous sommes passés maintenant par du mini USB. Oui, bah, tout le monde s'en fout. De toute façon, vous l'avez. Hein. Maintenant, vous saurez que ça marchera pas avec les anciennes branchements de la manette pour charger sur la console. Bon, donc nous avons un pavé tactile qui va nous servir sur différents jeux, par exemple sur Assassin's Creed pour la carte. Pour tout ce qui se passe comme ça, pour la carte, sur les jeux, le Playroom, non, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, le pavé tactile qui servira à beaucoup de choses. Nous avons les nouveaux joysticks. Regardez, ils sont bombés, mais à l'intérieur, bombés, comment dire, il y a un creux, mais c'est bombé au fond du creux. Voilà, comment dire, il y a le bouton PS normalement, comme d'habitude. Bon, il y a les 4 flèches, ça va pas changer. Il y a le bouton share, désolé, excusez-moi pour mon anglais de merde. Share, c'est un bouton pour mettre en ligne nos clips. Si on a fait des clips des beaux clips, par exemple, des clips, je sais pas moi, d'un Call of Duty. Par exemple, Call of Duty, nous avons fait une quad feed. Nous appuyons sur ce petit bouton-là et nous le partageons en live devant tous nos amis sur Facebook, si c'est possible, c'est tout qui est possible. Nous avons un haut-parleur. Pour le son quand il peut sortir parfois de la manette. Nous avons un branchement de micro. Je vous montrerai après le micro donné dans la console. C'est une oreillette. C'est bien. Et le bouton option qui remplace Start et Select. Bon voilà. Bouton voilà. X, carré, triangle rond. Bon, il n'y a rien de spécial. Et les gâchettes. Et les gâchettes surtout. Les gâchettes qui ont changé. Qui sont plus comment dire, remontées. Je sais pas comment vous dire. Sont plus comme avant dans l'ancienne. Désolé, j'ai pas une manette de play pour vous montrer comment c'était avant. Et c'est vraiment mieux. Voilà, ça fait genre comme ça, hop là. Ça remonte, c'est bien. Et je tiens à faire une précision qui m'a choqué un peu sur PlayStation. Quand j'ai acheté ce jeu-là, Call of Duty Ghost et Battlefield 4, j'ai eu un petit souci, mais c'est rien, c'est pas un souci. C'est vraiment, vous jouez plus comme ça. Viser, tirer, viser, tirer, viser, tirer. Un gros changement, viser, tirer comme dans la Xbox. Un changement assez perturbant, je pense, pour les gens. Moi, c'est vraiment, je me suis vraiment fait perturber par ça. Vraiment, parfois, j'arrivais presque plus à jouer. Tellement c'était. Mais moi, venant d'Xbox, j'avais un peu l'habitude, mais venant de Play, je pense pas que les gens ils seraient bien. Donc voilà, la manette, je pense qu'on a dit tout. C'est le plus gros important, le plus gros truc qu'on a à faire sur cette manette. Cette manette est vraiment bien. C'est une manette vraiment facile à prendre en main.
Voilà. Bon, la manette, go. La PS4. Alors la PS4, l'engin, le machin, le gros robot en fait, la grosse machine. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très jolie avec le logo PS4. Merci Jimmy. C'est Brazzer, ouais, c'est pareil. Alors, bon, ça s'appelle Jimmy, on s'en fout. Vraiment très très jolie. Très jolie. Vraiment magnifique ce PS4. Elle est vraiment très magnifique. Bon bref, alors nous avons deux ports USB, là, deux ports USB, le CD qui est bien planqué, le CD dans le noir là, qui est vraiment très très joli. J'aime bien cette peinture, enfin cette matière un peu lisse, vraiment lisse comme la... Oh pardon, excusez-moi, la PS3, la première du monde, et la PS3 Slim, c'est pareil. C'est vraiment un mélange des deux, c'est vraiment très 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 beau. Et le bouton, je sais pas si vous l'avez remarqué, Jimmy zoom un peu, essayer de passer devant. Le bouton éteint et le bouton changer et enlever le disque. Vraiment très 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 qualifié. Bon, mon frère, je pense qu'il avait pas vu aussi, c'est pour ça qu'il est en train de le faire mouf. Hop là. Alors, je tiens à préciser que j'ai fait les tests sur mon Avant Media Navigateur portable. J'ai fait les tests et ça marche nickel sur la PS4, ça marche nickel. Il n'y a pas besoin d'acheter un câble de plus ou un câble de moins. Bon, nous avons la fibre optique pour le casque, la prise optique pour le casque. Pour un casque, quand vous avez un Triton, je pense, je m'en rappelle plus. Ou un Triton, oui, il a un Triton 720, oui, il a ça. La prise d'alimentation qui... Enfin, le récepteur d'alimentation, voilà. L'HDMI, le câble Internet. Et ce câble AUX, parce qu'il paraît, c'est marqué AUX. Donc je préfère ne pas dire de la merde. Donc voilà, je préfère mieux dire ce qui a été écrit. Nous allons laisser la PS4 de côté. Et nous allons attaquer. Qu'est-ce qu'il y a dans le carton, normalement. Alors, dans le carton, il y a plein de fils. Non, dans le carton, soyez sérieux. Dans le carton, on peut brancher. Pardon, excusez-moi pour ce blanc. On peut brancher la manette. La manette, voilà, la manette. C'est le branchement de la manette sur le mini USB. Le mini branchement. Sur ça, qui est une USB classique. Qui va derrière la console ou devant la console. Donc bref, ça c'est le câble. Tout le monde s'en fout. Voilà. Bon, ce câble-là. Le câble d'alimentation de la PS4 de derrière à votre prise d'alimentation de votre maison. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont pris pour un téléphone ou quoi? C'est les écouteurs du micro. Eh oui, le micro, vous le mettez dans l'oreille droite ou dans l'oreille gauche, et ça c'est le micro comme un peu les téléphones Samsung. Vous branchez derrière la manette, je vous montre de suite comment ça marche. Hop là, vous branchez, ça rentre, hop là, c'est fini. Et là vous pouvez parler avec vos collègues, mais par contre le son sortira toujours de la télé, malheureusement. C'est dommage que ça sortirait pas tout de ce petit écouteur. Bon, au niveau de notice, vous avez des petites notices comme ça. PS4 sur la PS Vita, tous les nouveaux trucs qu'on a sur la PS Vita, PS4, PS3, sur les anciens trucs. Nous avons les notices, les guides de mise en route en français, en anglais, en italien, en néerlandais. Là on a aussi les notices, je pense, les guides de sécurité et tout le bordel comme ça. Un certain nombre, je sais pas où que c'est celle-là. Je crois que c'est de l'espagnol, je suis plus sûre. Ouais, voilà. Bon, voilà. Je pense que ça sera tout pour ce déballage. Voilà. Les gars, je pense que je vous ferai une petite suite de gameplay pour voir la qualité de ces deux jeux. La qualité qui m'a encore plus surpris, c'est pas celui-là, mais vraiment celui-là. La qualité, franchement, elle est énorme. Cette qualité de ce Battlefield comparé à l'ancien, je sais pas comment vous expliquer, le rayon de soleil, je sais pas, c'est vraiment énorme, vous voyez vraiment en haute définition, 1080p, c'est vraiment énorme.
Donc voilà, les amis, ben, je pense que je vais vous mettre. Je vais faire par plusieurs épisodes. D'abord, je vais vous mettre celui-là parce que je pense que ça va faire 5 minutes, 7 minutes et je me sens pas de. Enfin, je pense pas que vous aussi, pour le rendu et tout, ça va être le bordel. Donc, je préfère mieux vous mettre comme ça. Et voilà, ça va faire 6 minutes. Donc, ben voilà. Je vous dis au revoir, les amis, et c'est tout pour ce moment. Et je ferai une autre vidéo pour vous présenter la découverte de ces jeux-là. Voilà. Bon, allez, les gars. Tchou tchou.